tantôt par un moment à notre ambassade. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, c'est l'un de ces grands moments de mutation en douceur qui nous réunit ici ce matin et pour toute la semaine. Pendant donc une semaine, nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patrie. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers. Les uns n'ont fait que franchir un pont pour être ici. D'autres ont parcouru toute la longueur de notre pays et d'autres encore ont traversé mers et océans. Mais quel que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Chacun devra s'abstenir de penser que seules ses idées, que seul son projet de société demeure l'élément déterminant et exclusif de notre salut commun. Aussi, voudrions-nous croire qu'en venant dans cette salle, chacun a dû raccrocher aux vestiaires tout sentiment d'exclusivité, d'animosité ou de rancœur, de même que tout esprit d'intolérance. C'est convaincu de cela qu'au nom du Comité national préparatoire, je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour ceux qui viennent de l'étranger, proche ou lointain, je leur souhaite particulièrement la bienvenue. Quant à vous, qui foulez à nouveau le sol de la patrie après une longue absence, nous vous disons bienvenue chez vous, dans la paix du cœur et de l'esprit. Monsieur le Président de la République, en nous faisant l'honneur de nous installer le 22 décembre 1989 au niveau du Comité national préparatoire de cette conférence, vous nous avez assigné des tâches. Tout le Comité national préparatoire, par ma voix, vous dit mission accomplie, Monsieur le Président de la République, aux invités sont là. Et quelle mission passionnante et délicate, mais nous l'avons accomplie avec beaucoup de dévouement et d'enthousiasme. Malgré cela, il y a des failles dans notre travail. Nous demandons, Monsieur le Président de la République, votre indulgence. Nous demandons également aux conférenciers leur indulgence.
Mais à voir le ciel ce matin, nous avons l'impression.